Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes toujours à la recherche d'un Congolais à travers le monde. Un Congolais dans le monde aujourd'hui, nous sommes à Paris, place La Défense, ici à l'Esplanade où nous rencontrons un Congolais. Et voilà que c'est un monsieur qui va décliner sa carte d'identité devant vous. Il œuvre ici et puis nous l'avons intercepté pour qu'il nous explique un peu comment il est parvenu à être et à arriver jusqu'ici au centre, au cœur de la France. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Sitenge Bulungu. Ok. Vous êtes ici en France depuis combien de temps? Ouf, ça fait 22 ans que je suis en France. 22 ans? Ouais. Et comment vous êtes arrivé ici? Oh, je suis venu pour mes études, donc c'est pour cela. Ah bon, quelles études vous avez fait? J'ai fait l'audiovision au pays. Ok. Et après, je suis venu aussi pour essayer de élargir un peu. Donc, vous êtes dans les photos, vidéos, et tout ça. Oui. Et ça marche? Oui, ça marche. Et quelle est la particularité du travail que vous faites? Est-ce que c'est la même chose que la photo que nous voyons dans des fêtes de mariage et puis dans des cérémonies? Oh, bon, c'est pas vraiment pareil parce que moi j'essaie de ramener de tous des conceptions que j'essaie de pas créer mais d'améliorer, de rajouter ce qui existe déjà. Il y a des photographes qui ramènent juste un écran pour projeter des images, où il y a des photographes qui font un shooting à l'extérieur. Et moi, j'essaie de ramener le tout pour moi seul. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça se passe comment? Donc, si j'ai un mariage de 350 personnes, j'ai au moins 10 personnes, mon équipe. J'ai 3 photographes, 2 caméramans pour filmer. Okay. Et donc à l'entrée, il y aura déjà un photographe qui prend des photos à l'entrée, juste pour l'entrée. À l'intérieur, il y a un photographe qui fait des photos sur place. Et moi, je suis là pour coordonner. Photos sur place, c'est-à-dire qu'on peut livrer sur place. Sur place. Et le tout ce que moi je ramenais dans ça, il y a des hôtesses maintenant qui viennent donner les photos. C'est pas le photographe, il vient juste lui. Donc vous avez une équipe avec des hôtesses avec qui arrivent. Ouais. C'est pas votre fête, mais vous avez toute une équipe. Toute une équipe, ouais. Bon, on est nombreux, mais ça dépend de la salle, du nombre de personnes. Donc, donc là, vous êtes entrepreneur. On peut dire ça comme ça, ouais. Et est-ce que vous pouvez amener ça en République démocratique du Congo, votre pays d'origine? Oui, oui, c'est l'idée, c'est ce que je suis en train de voir. J'étais là pour 2 semaines, j'ai essayé de voir vite fait, mais là je compte retourner encore pour 1 mois, 2 mois, et pour voir comment je peux commencer à faire quelque chose chez moi. Ah oui, mais ça c'est une bonne chose parce que là ça sera une nouveauté dans ces métiers. Est-ce que ça arrive à nourrir son homme? Est-ce que vous pouvez donner quels conseils aux jeunes qui vous regardent en Afrique? Bon, le conseil, je vais donner ce qu'on m'avait donné. Okay. Je vais pas donner ce que... Quand on vous a donné quoi comme quand conseil? J'ai croisé un photographe, un vieux, oui, qui m'avait dit: fiston, ne cherche pas l'argent. Fais d'abord un nom. Ne cherche pas l'argent. Oui. Fais un nom. Quand tu vas faire le nom, l'argent va suivre. Et c'est les conseils que je peux donner, parce qu'il y a des fois, tu commences aujourd'hui, tu veux gagner directement. Donc, or, si tu commences, tu apprends, tu sais, et l'argent va suivre. Quand tu es carré dans le boulot, l'argent va suivre. Voilà, ça c'est vraiment un bon conseil. Mais là, les photographes sont des artistes et qui côtoient aussi d'autres artistes parce que vous faites aussi la vidéo, vous êtes dans tout. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des artistes africains? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple? Chez nous, j'ai commencé avec Papa Wemba. Ok. Ouais, j'ai bossé avec Papa Wemba. Ah oui, mais Papa Wemba, c'était la haute pointure. Ouais. Et j'ai travaillé avec Ferré Gola. Fali Poupa, j'ai réalisé, je pense, dans ces clips locaux, c'est nous qui avons fait ça, ouais. Fabregas, je l'ai déjà croisé.
héritier, c'est des albums. Quand il fait le sortie, comme David Monceau, c'est un ami. Donc, je suis toujours là pour faire des photos. Donc, j'arrive à croiser, mais c'est plus les étrangers que mes frères. Voilà, je sais que dans cette émission, on est en train de voir aussi les réalisations que vous avez pu faire. Nous sommes presque arrivés à la fin de ces contacts que nous faisons dans des conditions météo assez compliquées parce qu'il pleut ici. Nous sommes aussi pendant l'hiver, il fait froid. Voilà comment nous sommes habillés. Mais bon, quel est votre projet d'avenir proche? Le projet d'avenir proche, c'est déjà de rentrer au pays, ramener tout ce que je fais ici. De ramener au pays. Ok. J'ai une agence des hôtesses, des figurants pour des clips. Et ramener ça au pays. Et pourquoi pas former le jeune qui traîne, leur montrer le métier pour que. Il reste pas à la maison, moi j'arrive à faire quelque chose. Voilà, c'est un peu ça, c'est une bonne chose. Et nous arrivons pratiquement à la fin de ces Congolais dans le monde aujourd'hui. Et nous étions avec M. Ghislain Boulongou, que nous avons trouvé ici à Paris. Qu'on appelle souvent MCT Images. MCT Images, tel que vous voyez là. Hein. D'ailleurs, vous verrez aussi que moi j'ai des casquettes, j'ai aussi des t-shirts. Donc, c'est toute une équipe. Hein. MCT est très connu, c'est votre label et ça marche très bien. Merci, félicitations pour ce travail parce que nous sommes dans une chaîne qui a comme thématique l'entrepreneuriat, le monde des affaires, le business. Et là, vous êtes déjà dans le monde des affaires, l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça que nous voulons créer aussi de l'emploi à nos jeunes qui sont disséminés à travers l'Afrique. Si vous avez un mot à placer avant de nous séparer. Ouf. Là, je vais faire ça en lingala. Voilà. Bon, Banamboka. Nous avons Banamboka, va comprendre que tu as dit MCT Awa. MCT Azoya. Donc, beaucoup c'est fait là. Elle est belle. Voilà, merci beaucoup. On remercie aussi notre frère qui est derrière parce que finalement. Ouais, ça, c'est mon frère Christopher, c'est mon réa. Voilà. C'est lui qui réalise tous ces. Voilà, notre réalisateur Christopher qui nous a accompagnés avec une équipe technique assez atypique. Hein, et, vous ne voyez pas, mais c'est formidable. Vous ne pouvez pas comprendre comment c'est mignon de travailler dans des conditions comme ça avec une jeunesse qui est courageuse sous la pluie. Mais en train de vivre cet événement, c'est voilà, les enfants sortent sur les pas de leurs parents. Ouais. Ça se passe comme ça. Nous étions donc à Paris pour un Congolais dans le monde.